Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une recette de mon kit Kitchen Trotter, hein. Les alfajores chilenos. Bon, je suis très gourmande donc je connaissais déjà et j'en avais jamais fait, donc c'est l'occasion qui fait le larron. Donc pour le faire, hein, il vous faut 4 jaunes d'œufs, 150 g de farine, normalement 3 cuillères à soupe de lait et une ou deux cuillères à soupe de rhum ou de pisco. Bon, moi j'ai des enfants qui n'aiment pas vraiment le goût de l'alcool, puis normalement j'évite de leur faire goûter à l'alcool. Donc pour éviter l'alcool, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de lait ou deux cuillères à soupe. Et bien sûr, le dulce leche. Donc là, on va commencer par mélanger les œufs avec le lait. Alors je vais suivre la recette. Là, ils nous disent de mettre à préchauffer le four à 180 degrés. J'ai battu le jaune d'œuf avec le lait. Et si vous mettez de l'alcool, mettez-le maintenant dans les jaunes d'œufs battus. J'ai mis dans un saladier la farine en faisant un petit puits. Et là, je vais mettre tout mon liquide jaune de lait dans mon saladier de farine et je vais pétrir jusqu'à l'obtention de la pâte. Donc quand vous avez fini votre boule de pâte, elle est comme ça. Là, on va l'étaler environ d'une épaisseur de 2 à 3 mm. Donc quand vous l'avez étalée, vous prenez un verre ou un emporte-pièce d'environ entre 3 à 4 cm de diamètre et on va faire des petits cercles de pâte qu'on va mettre sur notre plaque où on a mis du papier sulfurisé. Et après, nous les mettrons entre 8 à 10 minutes à cuire au four à 180 degrés. Et voilà, j'ai détaillé mes gâteaux. Là, je vais les mettre à cuire 8 à 10 minutes à 180 degrés. Mes petits gâteaux viennent de sortir du four après 10 minutes de cuisson. Donc, ils sont un peu dorés, un peu boursouflés, c'est pas mal. On va attendre un tout petit peu qu'ils refroidissent et après, on mettra le dulce leche ou la confiture de lait. Et voilà, mes petits gâteaux sont prêts. Ils sont refroidis. Je vais pouvoir mettre les dulce leche sur un et recouvrir par un autre petit biscuit, comme si c'était des petits macarons. Allez! Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai garni un côté de dulce leche, de confiture de lait. Et là, je reprends un petit biscuit et j'ai juste à les mettre par-dessus, comme si c'était des petits macarons. Vous voyez? Hop là. Alors ça vous fait des petits biscuits, c'est génial, c'est super bon. On peut les manger avec le café, avec les petits pour le goûter et tout ça. C'est vraiment très très bon. Ça prend 10 minutes à faire et c'est super. Une très bonne idée. Merci Kitchen, trop tard. Allez, bon goûter et bon appétit!